Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Dr Chips et aujourd'hui on se retrouve pour le 17e Parlons Chips. Alors dans ce Parlons Chips, on va récapituler les informations du mois de janvier 2017. Donc voilà, le premier mois de 2017 est enfin passé. Donc on va voir les let's play qu'il y a eu tout d'abord, les let's play qu'il y a eu voilà au mois de janvier. Donc on a eu quoi comme let's play ? On a eu des épisodes de Noir 2 et des épisodes d'Illier. Pour le moment, j'ai déjà posté 6 épisodes d'Illier et 15 épisodes de Noir 2. Donc ensuite, les let's play futurs qui vont arriver le mois prochain. Alors, Illier, je ne sais pas si ça arrivera le mois prochain. On verra, je vous dirai de toute façon après dans le blabla. Et Noir 2, bon, c'est sûr, ça continue comme d'hab. Donc c'est sûr que vous aurez encore du Noir 2. Donc sinon, voilà, maintenant on est à la troisième partie, les informations en vrac. Donc cette fois, il y aura quand même pas mal d'informations en vrac, comme d'habitude, vous allez me dire. Donc tout d'abord, la première information, pour Pokémon Noir 2, les épisodes avancent bien. Là, j'ai déjà tourné 17 épisodes. 17e est déjà sur YouTube, et pareil pour le 16e en privé. Et aussi, je vous raconte déjà un petit truc. Les épisodes de Noir 2, maintenant, seront un petit peu plus cool. Je crois que vous l'avez souvent peut-être un peu remarqué, dans l'épisode 15, je commence vraiment à repartir sur des débats... sur vraiment de bons débats, un petit peu raconter ma vie, ne pas rester vraiment concentré sur le jeu, donc j'essaie vraiment de vous repartir un peu sur ça, faire un peu comme j'avais fait pour Pokémon Jaune ou pour d'autres séries. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas aussi de toute façon à regarder l'épisode 17, ça va être un épisode quand même assez important. Vous verrez de toute façon avec le titre, c'est vraiment un débat qui me tenait à cœur, même si c'est vrai qu'en regardant de nouveau la vidéo, j'ai vu que le débat n'était pas parfait, j'ai pas non plus bien argumenté, c'est vrai que des fois je suis parti un peu dans tous les sens, et vu que j'étais un peu concentré sur le jeu, il y a certains passages où c'est peut-être pas très clair, donc de toute façon je referai la vidéo, ça sera de toute façon aussi un point que je dirai juste après. Ensuite, les débats, je compte faire un débat, alors là pour moi, alors je tourne cette vidéo, on est le 28 janvier. Donc maintenant, je sais plus quand est-ce que j'avais dit, je crois que c'était le 28 janvier, ouais. Le 4 février ou le 5 février, donc 2017. J'organise un petit peu un débat, donc si jamais il y a des gens qui sont dispo, je pense que ce sera de toute façon un débat plusieurs, au pire s'il n'y a personne, je le ferai tout seul, tant pis. Sur le débat justement de l'épisode de Noir 2, voilà. Quoique là, on est le 28, je crois que vous l'aurez même pas vu. Donc je vais vous dire un petit peu aussi le titre du débat, comme ça si jamais il y en a qui veulent un petit peu voir le débat. Alors le débat c'est le titre, j'ai fait un vote sur Twitter, la majorité a voté pour le titre « YouTube va-t-il mourir ?». Donc c'est un débat vraiment sur YouTube, sur l'avenir de YouTube, comment va se porter YouTube selon moi et peut-être aussi selon vous si jamais vous voulez participer, pour l'avenir un petit peu, mon ressenti, je donnerai d'abord mon ressenti, ensuite vous pourrez donner le vôtre, poser vos questions, dire si jamais vous n'êtes pas d'accord. Donc pour ce débat, si jamais vous voulez participer, je vous conseille soit d'avoir Discord, soit Skype. Discord c'est quand même mieux. Et du coup voilà, ça m'avance encore à un autre point, c'est bien, on enchaîne les points avec une bonne transition, on croirait qu'on est en philosophie franchement. Donc le Discord, j'ai créé un Discord pour vous et pour moi aussi, pour regrouper, vous me parlez un peu, ça sera plus simple que YouTube. Donc Discord je vous le mettrai dans la description, n'hésitez pas à vous créer un compte si jamais vous voulez discuter avec moi ou avec d'autres personnes, c'est assez facile à utiliser Discord. Créer un compte, ça coûte. C'est gratuit de toute façon et ça prend à peu près 2 minutes pour se créer un compte. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez me parler plutôt que sur Twitter. Surtout genre pour les concours, je pense que j'essaierai de donner soin les mots de passe sur Twitter. C'est quand même un petit peu plus simple que Skype ou YouTube et tout ça. Ensuite, de quoi je voulais parler ? Oui, il y est moi. Voilà, c'est plus vraiment encore. Tout n'est pas transi, faut que j'arrête avec ma chaise. Donc Illier, il sera peut-être en pause, alors pourquoi ? Parce que d'habitude Illier, je le tournais la semaine sur mon PC portable. Sauf que j'ai un petit problème avec le PC portable, il arrête pas de crasher lorsque je lance Illier. J'ai déjà réussi à tourner quelques parties de l'épisode 7, mais je crois que je suis à 18 minutes, sachant que le jeu a crashé 2-3 fois quand même déjà pendant cet épisode. Donc je verrai, je vais essayer peut-être de régler le problème, si jamais j'arrive à trouver, ça sera comme d'habitude, Illier continuera comme d'hab. Sinon, je verrai, je vais peut-être essayer de faire sur le PC fixe. Le PC ou chez le week-end, par contre les épisodes, faudra pas vous attendre à en avoir beaucoup. Parce que voilà, je suis sur le PC que le week-end et... Enfin sur le PC fixe que le week-end, donc je pourrais tourner que le week-end. Sachant que j'ai aussi des devoirs et d'autres choses à faire, donc ça risque de prendre pas mal de temps. Donc voilà, ça sera peut-être un rythme un petit peu plus irrégulier. Donc on verra bien, soit je vous posterai peut-être du Noir 2, j'essaierai de tourner un peu plus d'épisodes. Je vous mettrai peut-être du coup des hors-séries de Noir 2, c'est vrai que ça serait pas con. Soit du Spirit Knight, ou soit je vous mettrai rien, on verra encore un petit peu.
Ensuite, en parlant de Spirit Knight, ben, le let's play avance bien. Là, pour moi, j'ai déjà tourné 26 épisodes, même un 27ème, mais voilà, faut encore que je fasse des montages et j'ai eu un problème au niveau du son. Ça m'a un petit peu fait chier. Bon, il y en a qui savent peut-être pas ce que c'est Spirit Knight, ils verront bien de toute façon quand le let's play sortira. C'est un jeu, un petit MMO style aventure, on verra bien. Ensuite, voilà, Discord, j'ai parlé. Les miniatures aussi, j'ai essayé de travailler un petit peu certaines miniatures, comme par exemple les miniatures de Noir 2 ou de Spirit Knight, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Surtout pour moi, cela, voilà, les miniatures de Noir 2, les hors-série. J'essaie de faire un truc un petit peu mieux, voilà. De toute façon, ça va aussi s'améliorer avec d'autres let's play, mais là, j'essaie vraiment de faire des miniatures pour les nouveaux let's play. J'aurélie, je suis quand même déjà assez content, et les miniatures de Noir 2, le let's play, je pense que je vais les laisser comme ça jusqu'à la fin, parce que j'en ai déjà prévu une bonne trentaine, donc on les laissera comme ça. Ensuite, au niveau des cours, bon, là, j'ai terminé mon premier semestre, que j'ai réussi à avoir, donc c'est bon, je passe au second semestre, un petit peu tranquille, j'ai la moyenne. Par contre, le deuxième commence, il est quand même déjà un petit peu plus dur. Faut un petit peu plus bosser, il y a déjà plus de travail maison aussi à faire, que ce soit des révisions ou même d'autres trucs. Genre, on devait créer un site un site perso pour l'IUT. Donc, je vous dis, ça m'a quand même pris pas mal de temps. Donc, ça se peut que des fois, voilà, je sois un petit peu moins inactif ou que vous voyez peut-être des trucs un petit peu bizarres sur la chaîne, vous verrez bien. Qu'est-ce que je vous dis ensuite? Oui, au niveau des vidéos, là, c'est vrai que je suis sur ma chaîne, je vois qu'il y a quand même pas mal de trucs. J'ai sorti, entre la vidéo Parlons Chips 16 du mois de décembre 2016 et la vidéo Dillier, l'épisode 6, j'ai sorti 21 vidéos, dont 10 qui sont en privé. Ça fait quand même beaucoup. Bon, après, ceux qui sont en privé, c'est soit des vidéos, genre le Let's Play de Noir 2, j'en ai 2. Du Spirit Knight aussi, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 épisodes de Spirit Knight. Et 3-4 vidéos pour moi qui n'ont pas vraiment quelque chose à voir. Il y en a une, c'était juste pour présenter le site web que j'avais fait à quelqu'un. Et il y en a deux, c'est une intro, bon c'est exactement la même, il y a juste quelques petits trucs au niveau du montage qui a changé. Donc je serais peut-être vous la poster aussi à un moment cette intro, je verrai bien. Et je pense que je vous la posterai avec le premier épisode de cette série. Il y en a peut-être certains qui savent déjà un peu ce que c'est, j'ai déjà envoyé à 2-3 personnes. C'est une série qui je pense va sûrement vous plaire, qui parlera un peu des anciens jeux. Et après un vote que j'ai fait sur Twitter, je vous invite aussi d'ailleurs à me rejoindre sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. Le titre, de toute façon, j'ai déjà trouvé. Le premier jeu, ça sera Minecraft pour la nouvelle série. Ce sera une série un petit peu comme les vidéos découvertes que j'avais fait, un petit peu différent, vous verrez bien. Soit j'expliquerai tout ça dans le premier épisode. Du coup, on va passer à la dernière partie, les achats du mois. Donc au niveau des achats, j'ai acheté un deuxième casque. Parce que d'habitude ce que je faisais en fait, vu que je suis dans un studio la semaine, j'emmenais mon casque du studio à chez moi, de chez moi à studio, voilà, week-end, semaine. Donc c'était assez chiant, voilà, ça prenait quand même déjà de la place dans le sac, fallait le transporter. Maintenant du coup j'en ai acheté un deuxième, donc j'ai pas besoin de le transporter, ça m'arrange surtout moi et vous verrez peut-être une petite différence au niveau du son dans certaines vidéos. On verra bien. Et est-ce que le son enregistre bien? Oui, parce que j'ai déjà eu un problème avec ce micro. Le son n'avait pas enregistré pendant 2 épisodes. Sinon pour les achats du mois encore, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai acheté les 5 premiers tomes de My Hero Academia. C'est un manga, je vous conseille franchement, j'ai déjà lu un petit peu le début et il vaut vraiment le coup. Il est sorti en 2014 l'éditeur Kyun, je crois. Ouais, Kyun. Et franchement je vous le conseille, j'ai découvert, je le connaissais déjà un peu mais je ne sais pas trop me lancer, il y a pas mal de monde déjà qui me disait qu'il était bien. Mais je me suis vraiment jamais lancé grâce à Olbu Chanel qui a fait une vidéo de présentation dessus. Même plusieurs vidéos pour présenter l'univers, certains personnages et tout, sans spoil. Ça m'a vraiment motivé à l'acheter, donc je vous invite aussi à aller voir Olbu Chanel. Je mettrai peut-être le logo de leur chaîne sur la vidéo, pendant le montage. Et leur chaîne, de toute façon, je mettrai dans la description, où vous allez sur ma chaîne. Et à côté, j'ai une petite rubrique à droite de ma chaîne. Il y a une petite rubrique avec « Il mérite d'être connu » et vous verrez bien, de toute façon, ils sont dedans. Et sinon, j'ai aussi payé un hébergeur web pour mon site web. Donc c'est vraiment un site personnel qui n'a rien à voir avec la chaîne YouTube. Donc je pense que je vous montrerai peut-être pas trop, peut-être un jour, faut voir. Mais pour le moment non, après c'est un site aussi vite fait, je suis pas professionnel dessus, déjà faut le savoir. Donc c'est un petit site principalement personnel que j'ai fait pour lui. Du coup, bon, je vois qu'on est à 9 minutes, cette vidéo a quand même duré pas mal de temps, j'ai l'impression que cette vidéo dure de plus en plus longtemps. Je regarde l'ancien, le dernier, pardon, Chips, a quand même duré 12 minutes. On va pas vraiment tarder non plus. Donc voilà, j'espère que ce Parlons Chips vous a plu, que les informations que j'ai énumérées vous ont plu, que le programme du mois prochain aussi vous a plu. Beaucoup, j'espère que vous êtes vraiment satisfait du coup avec tout ce que je vous offre.
Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, si vous voulez continuer à me suivre et me soutenir. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.